À 39 ans, le gymnaste bulgare Yordan Yovtchev s'apprête à entrer dans l'histoire de sa discipline. À Londres, il va participer à ses 6e Jeux Olympiques d'affilée, un record. Je vais juste concourir aux anneaux à Londres, c'est tout. Parce que je n'ai aucune chance ailleurs. Les anneaux, sa discipline de prédilection, celle qui lui a rapporté la majorité de ses 17 médailles olympiques et mondiales en 20 ans de carrière. Une longévité record qu'il doit à sa condition physique et mentale, un équilibre qu'il espère garder jusqu'à Londres. Si je suis en bonne santé et que j'ai la volonté, je pense que je peux encore montrer quelque chose de plus. La seule chose qui peut m'arrêter, ce sont les blessures. Si tu ne peux pas t'entraîner à 100% et avoir le meilleur résultat, alors évidemment, ça n'a aucun sens de continuer. Blessé à l'épaule puis au poignet, Yordan aura eu une préparation compliquée pour les Jeux, mais sa convalescence lui permet d'endosser un autre rôle auprès de la nouvelle génération. Regarde droit devant toi jusqu'au bout. C'est ça. Yordan est également le président de la Fédération bulgare de gymnastique. Dans un sport qui court habituellement après les sponsors, sa qualification pour les Jeux représente beaucoup en termes de financement. Quant à sa performance, ici, personne ne doute qu'elle sera couronnée de succès. Je pense qu'il va gagner une médaille, il va assurer. C'est un modèle pour toi ? Oui, c'est un grand modèle, un immense modèle. Si on peut imaginer que le record de participation aux JO de Yordan Yovtchev sera un jour battu, sa place au panthéon de la gym bulgare sera quant à elle très difficile à prendre.